Michael Sioudi, victoire à Aist, début parfait de la saison, je pense. Oui, c'est une belle victoire pour le club, pour l'équipe. Je pense qu'on a fait un match sérieux et collectif, donc c'est important pour nous d'avoir gagné aujourd'hui. On marque assez tard, mais on avait presque tout le temps contrôle du match, je pense. Oui, je pense qu'on a joué avec beaucoup de maturité. On était très solide et très, très solidaire au niveau du bloc de l'équipe. Et on a marqué à la fin, mais on a contrôlé le match aujourd'hui. C'était le scénario que tu avais attendu en avant? On espère toujours gagner pour son premier match avec ses nouvelle équipe. Et marquer un but, c'est encore mieux. Donc je suis très content aujourd'hui. Le but, belle assist, mais jolie infiltration aussi, je pense. Oui, c'est une de mes qualités, l'infiltration. Mais Marcos m'a mis un ballon magnifique. Et je suis assez bon de la tête, donc je suis content d'avoir marqué. Il y aura deux matchs à domicile maintenant? Oui, deux matchs à la maison, mais c'est le début de saison, donc on ne connaît pas encore le niveau de tout le monde. Mais si on fait des matchs comme aujourd'hui, je pense qu'on peut prendre des points pendant le mois d'août, et c'est important de bien commencer la saison. Merci beaucoup. Korte vertaling van de woorden van Michael Sejudi. We spelen vandaag een degelijke collectieve wedstrijd die ons een mooie overwinning opgeleverd heeft. Ik denk dat we vrij veel maturiteit getoond hebben en als een blok gespeeld hebben. Ik denk wel dat we mogen stellen dat we de wedstrijd grotendeels gecontroleerd hebben met vrij veel balbezit. Het was de eerste match voor mij met mijn nieuwe ploeg en het is altijd leuk als je die kunt winnen en dan nog zelf kunt scoren ook. Ik ben redelijk sterk met het hoofd en uiteindelijk gaf Marcos me wel een ideale voorzet. Nu hebben we twee matchen op rij, twee thuismatchen op een rij voor de boeg. En we kennen de sterkte van de tegenstanders natuurlijk nog niet zo goed. Maar ik denk als wij op dezelfde manier als vandaag kunnen spelen, dat we dan in die twee thuiswedstrijden zeker een aantal punten moeten kunnen rapen.